Et de VOD bonus. Pour le plaisir. Il faut la poursuivre, comme un creep. Bon, vite, hein, elle peut pas être attrapée. Ezio, j'espérais bien te voir ce soir. Je n'ai pas beaucoup de temps. La fête du Doge va bientôt commencer. Je ne serai pas long. On m'a dit que Christina Calfucci est à Venise pour le carnaval. Vous étiez proche, non? Fucci. J'aurais peut-être mieux fait. Ah, elle est mariée, c'est vrai. Son mari l'accompagne. Elle n'a peut-être pas envie de te revoir. Tu as bien fait. Quelle bonne nouvelle. C'est le carnaval. Avec ce masque, elle ne saura pas que c'est moi. Je sais comment attirer son attention. Grazie, amico. Ah. Est-ce que le mot cocu va revenir sur la table? Mais ouais, tranquille, on remarquera rien. C'est la capuche, ça rend transparent. Ah, du coup, elle s'enfuit. Ah non, pas mon harceleur, pas lui. Dieu, c'est vraiment le gros relou, l'ex qui ne veut jamais t'oublier. Tout le temps là, il envoie des SMS n'importe quel moment. Vraiment le gros lourd. C'est ça. De toute façon, ça c'est... Là, faut être un creepy le tutoriel. Je rentre. Sans savoir ce que je dois faire. Oh. Comment je fais semblant? On m'a pris ma bourse. Allez! Pourquoi va dans l'envers du décor? Quoi le concept? Je l'ai tué. D'accord. J'aurais pu la poursuivre pendant très longtemps. Mais non, mais... Respire plus, Ezio. C'est pas que c'est toi. On l'a écarté. Elle a raison. On va se faire respecter. Voilà. Je n'ai plus qu'à l'attendre au point de rendez-vous. Ah ouais. Le mec lui a vraiment dit un petit plan cul, ça te dit? Avec ton ex, insupportable, ça te dit? Christina. Manfredo, depuis quand es-tu si romantique? Comment ça est... Elle est bien au courant que c'est pas son mari. C'est pas la même voix. Ezio, tu peux me dire ce que tu fais ici? Comment oses-tu? Christina, calme-toi. Me calmer? Ça fait 8 ans que je ne t'ai pas revue. Oui, j'avais peur que tu ne viennes pas si je te le demandais. C'est vrai, j'aurais refusé. Ezio, la dernière fois aussi, tu m'as embrassé dans une ruelle, mais tu ne m'as pas dissuadé de me marier. J'ai pris la bonne décision. Il t'aimait. Je me moque de ce qu'il ressentait.
C'est toi que j'aimais. Tu as eu ta seconde chance. Je t'en prie, Ezio. N'essaie plus jamais de me revoir. Elle appelle les gardes. Gardes ? Ok. Pauvre Ezio, non, c'est mérité. Totalement mérité. Ensuite, Christina, où est-ce qu'elle est? Elle est pas là. Elle est pas là. Ah non! Non, non, fais-moi pas ça le jeu! Redonne-moi Christina! Réclamation du Vatican pour les affaires plus graves! Ok, ok, ok. Une solution. Deux secondes. Enfin. C'était pénible. Ces remèdes traditionnels sont les trésors. Et ça y est. La santé de votre fille. Le dernier creep. Manfredo, tout va bien? Les hommes de Savonarola, ils sont venus ici et ils ont tout détruit. Où est Christina? Manfredo, où est-elle? Elle s'est enfuie. Ils l'ont poursuivie. Non! Magique. On a failli rater. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Non mais. Je vous en prie. Que Savonarola, une vraie petite raclure, mais. Parlez-vous. Y'a personne qui l'aide, hein. Il est perturbé, Ezio, il sait plus quoi faire. Christina, tiens bon. Je t'emmène chez un médecin. Surtout ne t'inquiète pas. Non, Ezio. Il est déjà trop tard. Non. Tiens bon. Reste avec moi, Christina. Ezio, rappelle-toi. Nous serons toujours ensemble. J'aurais tant voulu... Nous donner une seconde chance. Requiescat in pace,